Pendant que je montais l'escalier, j'ai vu un homme qui n'a jamais existé. Il n'existe toujours pas aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'il s'enfuit. Four years ago, in this quiet forest, in this cozy cabin, something happened. Something so frightening. Something so deadly. Something so evil. We prayed it would never happen again. Now, from the creator of Evil Dead, something so deadly. Le film que vous allez voir raconte la tragédie vécue par un groupe. Cette affaire est d'autant plus tragique qu'ils étaient jeunes. Leur balade entre amis par cet idyllique après-midi d'été se transforma en cauchemar. Le CD du Miguel. Mets la 12. Ouais, je mets la 12, Abdou. Mais celle-là, les gars, c'est la 12. Vol. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you'll give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man. They've given you a number and taken away your name. Attendez, là, vous allez quand même couper au montage, là, non? Oui. Alors,
Donc ils peuvent pas faire. Philippe, Fabrice. Ah, moi je me donne un bisou. Ah non, moi je fais pas. Pourquoi bon, tu fais pas? Fabrice ouais. Insiste. Regarde Antonin. Ah, ça hésite pas trop tôt, hein, la gaule. La gaule est là. Non, c'est filmé. Tous les bureaux en bois. Je voulais même. Si tu filmes pas la caquette à tout le monde, ça va aussi. Hein. Ouais. T'as pris ta boîte à outils, Rolly? Ça, c'est pratique, ça. Eh, hey, Jean-Pierre, tu ne prends pas. Je sais jamais tu prends l'avion avec ça. T'arrives avec ça, il fouille, c'est sûr. Mais bon, non, c'est un peu qu'il est explosé, fais le pète pas. Ça va être la fin mourir, c'est sûr. C'est un cauchemar. Ne pense pas au cauchemar du changement. Prends le petit. Eh, fais pas chier. Venu du nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Regardez, si t'as des escaliers, il y a un lieu, bah, tu peux toujours essayer de te lancer. T'es trop près. Ah, t'as voulu un film, tu vas l'avoir ton film. Il y a pas rien de compte, les gars. Il n'y a pas la taille pour ça. Ouais, elle est bonne celle-là. S'exercer, parce que d'habitude on fait une partie, hein, on part de plus haut, on part depuis Sagnan. La première partie elle est assez calme, assez plate, donc il n'y a pas trop d'intérêt, mais ça permet de s'exercer. Tandis que là on va rentrer directement dans le vif du sujet, il faudra être bien attentif. En arrière s'il vous plaît, on pousse. Hop. Ouais, ils ont crevé. Là par contre c'est très vite. Bon, alors, tu l'as crevé.
Ah ouais, là. Ça va bien, ouais. On n'est pas même au rendu pour ça. C'est quoi, c'est la valve. Okay, on va les laisser sortir. Les gars, en descendant. J'espère que vous êtes con. Ça, c'est la foi. Ça, c'est le matériel. Le fab, je le crève. La bande est là-bas, donc je vous laisse vous installer. Partir en bateau. Allez, allez. Faut aller dedans, hein. C'est où qu'on a chauffé, j'en reviens pas, moi. Non, pas là. Allez, derrière, y'a rien. Ce merde. Là, ils sont là. On est parti, et en arrière. Là où la... Elles sont pas mouillées, celles-là, elles sont secs, hein. On va les armer. Eh, c'est pas dans ce sens-là, les gars. C'est là, cahier pointu. Qui met la crevaison? C'est là que Fabrice a sorti le couteau. Un petit coup d'opinel, hein. Je l'ai aiguisé avant de partir. Petit poil, quoi. I see a ripper and I want it into black. No colors anymore, I want them to turn black. Never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Oh,
C'était le groupe où il y avait le baraque. Le groupe où il y avait le baraque, ouais. C'était bien le meilleur groupe que j'ai jamais eu. N'importe quoi, c'était nous. Et remets-moi les petites lunettes. Après. Elles sont bien. C'est bon les filles. On est filmé là? C'est pour Canal Plume ça? C'était une bouteille. Bah ouais, une bouteille de blanc vide. Il voulait poser la question, vous avez vu ça? L'autre il arrive, c'est quoi ça? Ben une bouteille. C'est beau, c'est beau parce que le gars il la raconte puis il dit et au plus il se fout de ma gueule. Mais c'est incroyable. Lui, porte-toi. petite mère, s'il te plaît. Et bien, regarde la paire de boules dans le short. Là, la paire de boules coincée dans le short. Hein. Et mais c'est incroyable. Et regarde. Sa position. C'est vous, il ne nous voit pas. Il ne nous voit pas. C'est ça, t'as dit quoi sur le 4 avant? C'est ça. T'as dit quoi sur le 4 avant? On a plus d'embiche. Il arrive dans une ville et il pète la gueule à tous les gros méchants et tous les délinquants qui font chier les gentils et les petits enfants. Il s'appelle Walker Texas Rangers. C'est un Américain, il est super gentil, il a tout le temps raison. C'est un Américain, quoi.
Et c'est beau ça. Ah ouais, c'est moins casse-gueule ça. C'est net, ça c'est casse-gueule ça. Mais non, c'est balèze. Hein. C'est bon là, c'est bon. C'est... Et tu tiens vraiment à voir le match ce soir? Ouais, on est pas sûr. On a du bol avec le temps, hein. Hé hey, Fab, que t'arrives en haut du téléphone. Ça, c'est pas des sorties à la chauffage. Ça amasse. Hein, de voir te critiquer les chefs du chauffage. Ça, ouais, mais ça, tu coupes, ça. Allez, salut, Cyril. Ah, salut, ça va? Ouais, t'as trouvé que c'était à l'appareil, c'est Louis. Comment ça va? Ouais, mais... Je voulais juste te demander un top tes trucs. Ouais, vas-y. La photo que t'as mis à l'atelier de moi. Enlève-la, je vais te tirer les cheveux. Tout ça pour un misérable petit père. Un misérable. Vas-y, respire en panneau, 10 minutes, hein, en tout cas. Et dès que je viens, j'en fais un petit. Le vomi. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Bien fait de la péter à votre partie. Oh putain! Alors voilà, on a la meilleure au monde. Hey, t'es quoi ton casque? On filme, pardon, sur c'est pas un accident quoi. Ah, c'est mieux avant. Avant, t'es tombé. Ouais. On dirait 2000 à l'Odyssée de l'espace, vous avez les mêmes casques, les serveurs. Oh, ah bon. Tout va bien pour l'instant. Pour l'instant, le mois est juste. Accès foyer. Marc. On a dit. On a dit. Moi, je m'en rappelle pas. C'est le Fabrice qui mettra le casque, hein, quand même. Censuré, c'est censuré. Belle paparazzi, là, t'arrêtes là, ton bordel. Hey, Michael Knight. Qui tu viens me chercher? On va comme ça, les gars. Eh oui. Shut up a bit.
this record straight. All the needle nose punching is making me irate. Sick of my bitch if I'm not under fears. Where you gonna be in the next 5 years? The poop and all the fools and all the politics. Get your lips ready, gonna gag, gonna make you sick. You got dick when they find out the good stuff, fam. Are you sick of me? Good enough, fuck me. I'm all out of enemies. Avertissement. Les cascades de ce film ont été réalisées par des professionnels. Pour votre sécurité et celle de votre entourage, n'essayez surtout pas de les réaliser vous-même. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de pic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre les mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais. En aventure, je poursuis mon chemin. Je prends la vie comme elle vient. Car je crois voler. T'en as partout, hein? Ah ben, j'ai volé dans le talus. Heureusement qu'il y avait le noisier. D'accord. Ben, c'est vrai, heureusement qu'il y avait le noisier, parce que je serais arrivé en bas avec vous, mais sans la trottinette. Et tu la gardes maintenant? Peut-être que tu l'as fait greffer ou bien? Ouais. Ouais, mais en haut, t'as le sein du wapi, hein. Ouais. Et t'as la même coupe que Beckham, hein. David? Butler, bon, lui, il a une coupe. La poussière, putain. Bon, d'accord, quoi. Hein? T'as quoi? Et je sais pas si vous avez vu qu'il y en a que votre femme. Il y a un gars qui a des cheveux. Chier, putain. On se parle naturel. Trucage, parce que j'avais fait une fois. C'était joli, et après j'ai refait. Elle a dû refaire parce qu'il n'y avait pas la caméra. Oh, Stéphane Butler, c'est quelqu'un de très bien. Par contre, quand il se garde n'importe où comme un imbécile, je vais te dire que c'est pas toujours super. On va à l'hôtel. On va pas. Non, on va à l'hôtel. À l'hôtel. C'est bon. Oh, le match. Mais tu l'as réservé, mais... Ouais, justement, je cherche la réservation. Ah non, c'est pas ça. Je suis dans la merde. Oh, arrête de filmer. Ça, tu coupes, ça. Houston, nickel. Ça prête quel pince? Le raisin, il y a le raisin. C'est son truc à Roby, je sais plus. C'est le raisin. Le raisin. C'est un bon plat. Un hôtel de luxe, comment dire.
C'est là la piole des pisteurs. Que c'est... Ah, vous avez un lit simple, moi. Nous, on a... Matrimonio. Ça promet... Et ça promet. Pour couple. Mais l'odeur... La complication de la fiole. Ça sonne la fiole. Ça sonne la lit foufou. T'es combien? C'est bon. C'est quoi? 15. C'est bon, gars, ils sont des imitants. Bon. 1-0, c'est t'as pas vu, t'as pas vu. C'est sûr, c'est que j'ai pas gagné de 100 balles. Moi aussi. Et puis t'as pas vu le match de la France aussi. C'est un peu con. Ça y est. Il y a que des goals hors jeu. Non, un goal hors jeu, un mort très aigué. Bon, le problème est en compte. Mais je crois que Togo a payé l'arbitre. 1-0, ça me suffit. Ils ont trop arrosé la pelouse. C'est quoi de l'arroser, mais il a trop arrosé. Togo, comment? Combien? Togo, quoi? 2-0 pour la France. Pas du Togo. T'es français, toi? Non. 1-0, 1-0. Je demande à ton frère qui est togolais, là. Ah, tu dis Togo? Eh, mais tu sais, c'est pas ton action. C'est le match. Atteinte à la vie privée. T'as dit? C'est après qu'il faut se la foutre. Ah, salaud. Allez, bon.
t'as pas le droit. Je suis japonais. La condition, c'est d'y aller seul. Ça se fait en pleine nuit, une rencontre en quelque sorte d'homme à homme, les yeux dans les yeux. Ces gens-là, on leur demande d'exécuter n'importe quelle consigne, aussi barbare soit-elle, sans état d'âme. Durant le repas, les convives vont boire de grandes quantités d'alcool. De la bière pour commencer, puis ils passent à des alcools plus forts comme le cognac. Et surtout de la vodka. C'est une rencontre de travail qui s'est passée dans une ambiance amicale. Tous ces gens donnaient l'impression de se connaître depuis longtemps. En fin de repas, arrive le moment des discussions sérieuses. Convaincu de la bonne foi de ses interlocuteurs. Mais sur le retour, il commence à se sentir mal. En fait, tout de suite, il a d'abord des maux de tête très violents, très douloureux, et des douleurs au dos insupportables. Enfin. Et donc là, il est dans un état fébrile et de douleur. Déposé devant chez lui, il rejoint péniblement son appartement. Mais il ne s'inquiète pas pour autant. Il met ça sur le compte de tout l'alcool qu'il a bu durant la soirée. À ce moment-là, Nico est loin d'imaginer que dans les heures qui viennent, sa vie va totalement basculer. C'est son épouse, Katrina, qui aurait remarqué un détail étrange en l'embrassant à son arrivée. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you. C'est un peu bien constaté, c'est le moquette. La moquette. On est où, même? C'est pour ma femme. Mais t'es avec qui? J'ai encore jusqu'à dimanche, j'ai jusqu'à lundi matin, 7h, ma liberté. Donc j'ai le temps de marcher.
C'est pas des conneries, mon gars. Toi qui as rien compris. Oh. Toi qui as rien compris. Même taxi. Parce que moi j'ai ma liberté. Eh, là il y a le taxi qui arrive. Et je c'est pas de gars. Ah ouais, c'est pas le taxi, c'est la police. Et, écoute ça, et, un petit moment de silence, les gars. Ta gueule. Eh, fais-moi un peu la liste quoi. On va interroger non, non, un peu. Non, non, tu non, veux non, non. Non, non, je suis assez content parce que j'ai chié. Il est 23h, il décide d'aller se coucher. Il est 23h. T'as seul t'es inspiré, toi. Il y a rien de bas, là. Et, écoutez, les gars. Le coucou à Châtillon, c'est vrai. Les moquettes, ça c'est le pire, c'est les moquettes. Oh, ça va, c'est ça, ça va pareil. Comment ça va? C'est le meilleur jour que j'ai jamais eu. N'importe quoi, c'était nous. Un drapeau suisse. Ouais. Ah ouais, là. Et c'est reparti. Direction le fucking câble. C'est un calvaire. J'ai toujours le bon Antonin à côté de moi. Bon, qui c'est qui est chaud pour ce cas? Parce que. Moi, yes. Ouais. Toi, tu peux pas. Moi, toi, je fais pas. Moi, je fais pas. Mais vous êtes vraiment chaud pour ce câble? Ah, ouais, à fond. À connaît. Regarde, Charlie, la muse. Hein. Oh, putain, le patriote. Mais tiens, le jour où on va tourner sur sa gueule. Hein. C'est qu'il est mort. Attachez vos ceintures. Décollage. J'ai pas envie de me pendre sur un câble. Eh bien, c'est ton rêve. Non, mais vous êtes complètement secoué, hein, les gars. Vous avez vu le bordel? Vous êtes malade du cerveau. T'as vu le bordel, c'est toi du fou, on est complètement secoué. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de cerveau. T'as maté ou bien? Ouais. Mais rien, j'ai rien de la prose de monter sur ce match. Tu pourras montrer ton cousin, Superman. C'est quoi le film? Les gars, si vous entendez. Il a pris la tu fais le câble. Si jamais tu fais le câble, tu dis moi je te filme depuis en bas, d'accord? Le câble, je crois que je vais pas le faire là. Matos, ça a pas l'air au top. On voit bien que le câble est tout détendu. Ça va la négativité? Il y a un décès.
On dirait un colis de la poste. Tu fais toujours pas, Miguel. On a le droit d'ouvrir les yeux. C'est clair que je fais pas. Il n'y a plus de boulet. Plus aucun regret de ne pas aller me foutre, de me faire chier sur ce fantastique câble. Il a vendu ça. Plus je les vois, moi j'ai envie de faire. Tu as loupé ça. Ben non, mais moi, je suis pas médium, je sais pas que les catastrophes vont se passer. Je ne vais pas descendre. Je lègue toute mon amitié. Stéphane Butler. Encore, j'ai ça, si, hein. Qu'est-ce qu'il en reste, quoi? Ouais, parce que. Jean-Pierre fait pour le. Encore. Ça va friser le code au bord. Ça suffit. Oh, c'est glissant, là. Quoi, t'as honte? Hein? Si ça arrive à Momo, lui, il va pas venir. Non, il va venir plein, hein. S'il va rien arriver à lui. Ah, oh, la phrase cuite de merde. Allez, belle dame. Une fois que tu filmes, tu te chies dessus, là. Tu te chies dessus. C'est Tier Star. Future star. Et Shih Tzu, c'était pas un joueur de la Corée. T'imagines le but à la recherche de nouvelles stars. On est comme ça le casse. Ah, on est comme ça le casse. Alors, vous pouvez accueillir Stéphane. Alors, mais fais-moi une phrase culte, j'en ai loupé deux dessus. Non, mais bon, je suis pas une machine à phrase culte. Et jaune. Rappelle-toi le canoë kayak jaune, ce qui est arrivé. Je sais que je vais me dégonfler. Elle est où ta doublure? Lâchez le maintenant, on se marre. Tu prends tes jambes, tu pars, tu fais et tu pousses sur la barre avec tes pieds. Les jambes bien tendues et les bras le long du corps. Alors, plie tes jambes, Stéphane. Quoi? Et on commence, voilà. Ils ont dû raccourcir un bambou. Hein. Alors, toujours les jambes tendues, les bras le long du corps. Les filles, tu vas faire tes goudes, ça ouvre. Drapeau blanc. Mais c'est ça le parachute de secours là? C'est un calvaire. Écoute. Je t'envoie Steph. Alors on a Stéphane, 78. Il monte, c'est pas 78. Ah, noir. Un noir. Ah, tu m'as un noir quand même. Bon, tu repiques, hein. Alors Stéphane, 78 avec un drapeau noir, il part. Ciao, hein. Bien, bon, chef. Stéphane. Ouais, au revoir. Ciao, Tana. Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants et un passé des plus obscurs. Jesse Chase, le maître des secrets qui ont séparé l'homme de l'animal. Et l'animal de l'homme. L'homme-animal. Oh, ben là, il va s'arrêter, là. Serre les bras, tu vas t'arrêter. C'est le but, là. Non ? Serre les bras. Allez, Bud! Serre les bras! Allez, Bud! Oh non, de plus! Il est pas là? On va venir le chercher, monsieur. Ah non! On va arriver en station de freinage, on va approcher telle personne et on va aller le chercher. Ah, c'est un calvaire! Ah, là, c'est là, il se réfère au monde. D'accord! Ouais, mais il a envie de faire durer, c'est pour ça! Tu en bottes l'air! Bottes! Tiens! Au moins, tu te seras fait tirer ce week-end! L'Afrique a corps, tu veux. Il
Il était flic et il faisait du bon travail. Il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la... Passe-toi, mets le doigt, là. Allez, je vais me forcer à vomir, parce que ça, on s'arrête. Allez, Dis-le, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Vas-y, il est marqué sortir. Il est tout blanc aussi, il marque. Il était gerbé. Pourquoi t'es pas sympa, Fabrice? Et tu dis que Miguel est un peu la caméra que tu filmes, elle est comme ça. Martin, il rit trop, c'est parce que je bien. Oh, mais putain, t'as dit. Regarde le feu là. C'est une imbécile. On n'arrête pas la chute de l'homme, on n'arrête pas de creuser, on n'arrête pas de partir. L'intérêt de